Bonjour, je m'appelle Audrey. Moi, c'est Marianne. Et nous allons... Ben, c'est quoi qu'il faut dire? Et on est réalisatrice. Ah oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Audrey. Moi, c'est Marianne. Et nous allons vous... On est réalisatrice pour le projet Sortir du rang. Nous sommes à Saint-Narcisse-de-Rimouski à la fête de quartier pour présenter notre film. Et on est heureux de vous le présenter. Il semble qu'il y a trop de présenter. Bonjour, je m'appelle Audrey. Moi, c'est Marianne. Et nous sommes réalisatrices pour le projet Sortir du rang. Ah, voyons, j'ai oublié. On va y arriver. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi être réalisatrice? Ben, c'est trouver des idées pour ce qu'on va faire dans le film. On fait un peu des recherches pour savoir c'est quoi le sujet. Puis... on trouve des informations puis on les partage avec les autres réalisateurs. En fait, cette année, c'était la troisième année de Sortir du rang. Puis les deux premières années, on avait choisi les sujets ensemble, puis c'était un long processus. Puis je trouvais qu'on avait peu de temps souvent après pour continuer à faire la recherche. Fait que je me suis dit, bien, on va partir d'idées qui avaient été proposées les années antérieures. Donc l'idée de la patinoire, c'était venu avant. Puis l'idée de l'autobus, bien, ça m'est venu du fait que j'avais le goût que vous soyez dans les films. Que les élèves, cette année, pour la dernière année, soient plus présents dans les films. Donc, c'est de là que c'est venu. Puis c'est parce que c'est un lieu de vie là, pour vous autres. Là. C'est important. Qu'est-ce que tu fais dans le film? Je parle avec mes amis. À quelle heure tu pars le matin? Je pars à 7h35. À 7h20? 8h moins 5, à peu près. Puis l'école a fini 20, puis moi, j'arrive à 4h20 chez nous. Bien, chez nous, j'arrive vers 5h moins 10, à peu près. 4h45. Qu'est-ce que t'aimes pas quand? J'aime pas quand elle roule vite d'un côte là que je pogne le mal de cœur. Est-ce que t'aimes prendre l'autobus? Ben, moyen, là. Pourquoi? Ben, je sais pas, là, je m'endors tout le temps dans l'autobus. Non. Pourquoi? Parce qu'on va à l'école. Ben, c'est ça, là. Le trajet, il est long, là, descendre de Sonner, ça Rimouski. Ok. Qu'est-ce que t'aimes de l'autobus? La couleur. J'aime la raille des fois. Là. Oh, la réaction des gens quand les autobus sont arrivés, je vais te dire exactement ce que... Ça, c'est comme si c'était hier, le péril jaune. Alors, c'était un gros changement dans le système de l'éducation. Hey, on voyait passer, on n'avait jamais vu passer des autobus d'un rang, là. Et là, les autobus, les gros autobus circulaient dans les rangs. Alors, on appelait ça le péril jaune parce que, évidemment, ça amenait un danger dans la circulation, là. Moi, je suis rentré à l'école normale, après mon secondaire 5, comme on pourrait dire, là, ma 11e année, en 1960. Et je suis sorti en 1964. Et c'est pendant que je faisais mon cours d'école normale pour enseigner là, que s'est installée
les transports scolaires. Donc, je n'ai pas vécu l'arrivée des transports scolaires. Quand je suis arrivé ici à Saint-Narcisse pour enseigner, les transports étaient organisés.